Ce tunnel vertical, fonctionnant simplement par vidange sous l'effet de la gravité, a servi à de nombreuses études d'écoulement à basse vitesse, parmi lesquelles une large part a été faite aux couches limites, en courant plan, axis symétrique ou tridimensionnel. Dans ces essais, la visualisation a été assurée d'abord par de fines bulles d'air en suspension dans l'eau, obtenues au cours du remplissage. Ces traceurs gazeux intéressent l'ensemble du champ aérodynamique. Grâce à un éclairage, limité à une mince tranche de lumière, on observe leur déplacement dans une coupe longitudinale ou au travers d'une coupe transversale. Dans ce dernier cas, par l'intermédiaire d'un miroir placé en aval. Une deuxième méthode met en jeu des colorants de même densité et viscosité que l'eau, dont le débit doit être ajusté suivant la position des orifices ou fentes d'émission à la surface des maquettes. Les émissions par fente fournissent une nappe colorée pariétale continue, couvrant toute ou partie de la surface du modèle, tandis que les émissions ponctuelles donnent naissance à des filets isolés proches de la paroi qui représentent des lignes de courant en régime stationnaire. Lorsqu'on réduit leur débit, les filets traversent la couche limite pour devenir pariétaux. Au-dessus, les bulles d'air décrivent les lignes de courant bien étagées de l'écoulement laminaire. Dans ces conditions, la couche limite apparaît plus foncée, car les bulles d'air y sont moins nombreuses et plus lentes. En effet, la longueur des éléments de trajectoire décrits par les bulles d'air durant le temps d'exposition de chaque image diminue près de la paroi, d'où le profil de vitesse d'allure parabolique et l'épaisseur de la couche limite laminaire. Bien entendu, une paroi mobile, telle que ce tapis roulant qui se déplace à la même vitesse que l'écoulement, cesse d'avoir une couche limite. L'uniformité du champ se conserve alors jusqu'à la surface du tapis. Quoique généralement utilisé pour l'étude des écoulements laminaires, ce tunnel peut être équipé d'une veine à section réduite qui permet d'étendre son domaine d'expérimentation au régime transitionnel et même turbulent. En régime turbulent, la couche limite qui se développe de part et d'autre de cette paroi fixe conserve la même teinte claire que l'écoulement extérieur, par suite de la présence de bulles d'air plus nombreuses et plus rapides. Mais leurs trajectoires sont désordonnées en raison des fluctuations de vitesse. Elles ne fournissent plus alors qu'une image de l'écoulement moyen et, plus difficilement, l'allure du profil des vitesses moyennées dans le temps. Par ailleurs, une émission ponctuelle de colorants dans la couche limite, notablement perturbée par les fluctuations, ne donne qu'une idée imprécise et incomplète des phénomènes dus à la turbulence. Ce filet ne représente qu'une ligne d'émission qui oscille autour d'une ligne de courant moyenne avec une rapide diffusion du colorant au fur et à mesure que l'on s'éloigne vers l'aval. Le procédé le mieux adapté à l'étude de ces phénomènes aléatoires est alors celui des émissions de nappes pariétales. La suite du film présente des exemples d'études phénoménologiques réalisées à l'aide de ces diverses méthodes de visualisation. Émission d'une nappe de colorant suivant l'envergure d'une paroi plane sans incidence. En régime laminaire, cette nappe représente une couche de courant mince et plane de la couche limite. À vitesse plus élevée, apparaissent des ondulations périodiques de faible amplitude. Ce sont les ondes de Tolmin shifting, laminaires et bidimensionnelles. Même phénomène vu en coupe et ralenti 18 fois. On distingue les trajectoires ondulées des bulles d'air au-dessus de la nappe colorée pariétale. Quand la vitesse du courant croît lentement, ces ondes se désorganisent. Des ruptures de plus en plus nombreuses de la nappe apparaissent, la sous-couche pariétale restant laminaire. La même expérience vue en plan permet d'observer successivement le régime stationnaire avec nappe colorée pariétale plane,
la formation des ondes de Tolmin shifting et enfin l'apparition des déchirures aléatoires mais de plus en plus nombreuses de la nappe, c'est le régime d'intermittence. Les bulles d'air confirment que la transition se produit sans décollement. Vues en coupe, la formation et l'échappement des spots de turbulence sont mises en évidence par les bulles d'air de trajectoire désordonnée accompagnées de colorants extraits de la nappe pariétale. Le même essai, vu en plan, montre la structure tridimensionnelle des spots, leur caractère instationnaire et notamment la forme en V des déchirures. Observez ici le passage des spots après leur expulsion de la couche limite. Quelques images fixes consécutives précisent l'importance et la déformation des excroissances de colorants qui en résultent. Le ralenti donné par des prises de vue à grande vitesse permet de suivre en continu le processus de formation, de développement et d'échappement des spots de turbulence, sa répartition aléatoire dans l'espace et le temps, enfin tout ce qui caractérise la transition naturelle sur une paroi plane sans gradient de pression longitudinale. Sur une plaque légèrement inclinée, le gradient de pression longitudinale provoque l'apparition d'un décollement localisé au bord d'attaque. Dans ces conditions, la transition est assurée par ce bulbe mince à décollement laminaire et recollement turbulent. Sur ces images arrêtées, on distingue, à la frontière du bulbe, la formation et le déplacement de tourbillons qui se désorganisent ensuite et viennent alimenter la couche limite turbulente aval. Le même phénomène, vu ici en plan avec un important ralenti, montre la formation des rouleaux emportés par le courant, d'abord bidimensionnels, puis se désagrégeant en une couche à turbulence plus fine et plus homogène. Au-dessus d'un profil, on retrouve tous les phénomènes observés dans les deux cas précédents. À faible incidence, soit par exemple pour alpha égale 5 degrés, la transition intervient en aval de la mi-corde et la couche limite turbulente se développe ensuite jusqu'au bord de fuite sans décoller. Cette vue perspective du même phénomène montre que la transition se produit sur une plave relativement étroite au centre du profil. Sur les bords, elle intervient plus tôt en raison d'inévitables effets parasites le long des panneaux de garde. Vers 12 degrés d'incidence, le gradient de pression longitudinale devient important et il se forme à nouveau un mince bulbe de bord d'attaque à décollement laminaire et recollement turbulent. La transition se manifeste par un échappement de rouleaux tourbillonnaires d'abord organisés au-dessus du bulbe, puis se scindant en spots isolés côté aval. À vitesse plus faible, le décollement est plus étendu, tandis qu'apparaissent à nouveau vers l'amont les ondes de Tolmin shifting, dont le déplacement apparent est dû à un effet stroboscopique. Le long d'une paroi plane, sans incidence, le comportement d'une couche limite laminaire dépend des conditions aval qui déterminent le gradient de pression. Ainsi, un soufflage tangentiel vers l'aval a un effet favorable en réaccélérant la couche limite qui est ensuite captée par le jet turbulent. Il en est de même pour les proches filets de courant de l'écoulement extérieur. La zone de mélange en vert disparaît à l'arrêt du soufflage. Décollement de la couche limite laminaire le long d'une paroi incurvée formant un diffuseur de pente élevée.
La structure de la partie laminaire de la zone décollée est révélée par les émissions colorées. La couche noire, sans bulle d'air, confirme le caractère de laminarité de la couche limite décollée. Cette couche noire disparaît en aval de la transition. Les procédés de visualisation précisent notamment l'allure des lignes de courant, la frontière de la zone décollée, le point et l'angle de décollement, le point de transition et la zone turbulente, enfin, la frontière de la couche limite ainsi que l'allure des profils de vitesse en différents points de la paroi dans la partie laminaire de l'écoulement. Le décollement de la couche limite se résorbe sous l'effet favorable d'un soufflage tangentiel. La forme courbe de la paroi provoque l'incurvation correspondante du jet et des lignes de courant de l'écoulement extérieur. Vue de détail du même phénomène. Résorption de la zone décollée. Apparition des effets d'induction le long de la zone de mélange. À l'arrêt du soufflage, la frontière de la zone décollée redevient le siège de tourbillon emporté par le courant. Autre exemple concernant la plaque plane sans incidence. Voici l'action sur la couche limite laminaire d'un jet plan émis normalement à la surface du modèle. Le spoiler fluide provoque une déflexion du courant principal au voisinage de la paroi, fonction du rapport des vitesses VJ sur V0. Pour des valeurs faibles de ce rapport, l'effet d'obstacle est prépondérant. La couche limite décolle devant le jet et la zone décollée finie présente un caractère tourbillonnaire organisé. Pour des valeurs élevées de VJ sur V0, l'effet de puits l'emporte. Le décollement amont disparaît et la couche limite est réaccélérée avant d'être absorbée par le jet. La présence d'une discontinuité de forme le long d'une paroi plane constitue un autre facteur créant un gradient de pression longitudinal. Ainsi, devant un ressaut de paroi, la couche limite laminaire décolle pour se rattacher sur la face avant de l'obstacle en fermant une zone de recirculation finie, siège d'un ou plusieurs tourbillons stationnaires. Notons aussi la présence d'un décollement localisé sur le ressaut et fixé au bord de la paroi aval. En régime turbulent, l'écoulement moyen visualisé par les traceurs conserve la même structure. On note simplement que le décollement plus tardif de la couche limite turbulente entraîne une réduction sensible de la zone tourbillonnaire. Il en est de même pour le bulbe décollé fixé au bord supérieur du ressaut avec recollement turbulent libre sur la paroi aval. Un autre exemple met en jeu un décrochement de paroi au bord duquel se fixe le décollement de la couche limite laminaire. L'écoulement extérieur s'incurve et vient recoller sur la paroi aval. Dans cet essai, une émission de tourbillon à la frontière de la zone décollée assure la transition et la couche limite aval est alors turbulente. Lorsque le décrochement de paroi est peu important et la vitesse du courant peu élevée, la turbulence n'apparaît pas dans la zone décollée et la couche limite qui se développe en aval du recollement reste laminaire. Enfin, dans le cas opposé d'une couche limite amont turbulente, la structure de la zone décollée ne change pas fondamentalement, en dépit des remous observés. Mais son étendue moyenne est plus réduite et les tourbillons émis à sa frontière fluctuante sont plus nombreux. Essai d'un fuseau cylindrique sans incidence. Le long de sa paroi lisse et fixe, se développe une couche limite de révolution à caractère laminaire, visualisée d'abord par une nappe de colorant pariétal, puis par une série de filets colorés isolés, disposés suivant les génératrices du cylindre, dans ces essais sans gradient longitudinal. Mais un obstacle circulaire fixé sur le nez ogival du modèle suffit à déclencher artificiellement la transition. Ce phénomène est caractérisé par la formation de rouleaux tourbillonnaires toriques emportés par le courant
et se fractionnant progressivement en aval. Sur un cylindre lisse, sans incidence, la rotation d'une partie du moyeu peut aussi déclencher la transition de la couche limite laminaire, comme le montre cette image fixe d'une coupe radiale visualisée par bulle d'air. Pour une valeur modérée du rapport de la vitesse de rotation à la vitesse du courant, le cisaillement de la couche limite sur la partie tournante provoque déjà des différences de caractère et d'orientation des lignes d'émission pariétale. Laminaire côté amont, transitionnelle au milieu, turbulente côté aval. Pour un rapport de vitesse élevé, ce phénomène s'accentue. La couche cisaillée s'épaissit et devient le siège de tourbillons à structure hélicoïdale emportés par le courant. Le caractère dichroïque du colorant utilisé, rouge quand il reste concentré et devenant vert sous l'effet d'une dilution, souligne le passage du régime laminaire au régime turbulent. Une visualisation par bulle d'air du même phénomène permet de distinguer la trace dans une coupe radiale des différents tourbillons qui se forment dans cette couche cisaillée et qui caractérisent ce type de transition. L'étude du comportement de la couche limite en présence d'une discontinuité de paroi a été reprise dans le cas de ce fuseau de révolution fixe et sans incidence. En régime laminaire, la couche limite périphérique décolle devant un ressaut, cependant, la symétrie de révolution de ce décollement ne se maintient pas en permanence. Une coupe radiale visualisée par bulle d'air confirme que la structure tourbillonnaire de la zone décollée devant le ressaut est la même qu'en courant plan. Ce montage sur dard arrière est plus pur car exempt des effets dus aux couches limites parasites sur les panneaux de garde, tels qu'ils existent en courant plan ou pour une demi-maquette. En régime turbulent, la structure de l'écoulement se maintient, comme c'était déjà le cas en courant plan. Les fluctuations de vitesse masquent les phénomènes de désorganisation momentanée dus à des effets de puits compensés par des effets de source simultanés. Cette coupe radiale révèle en outre que le décollement turbulent libre devant le ressaut intervient plus tard. De ce fait, la zone décollée est plus réduite qu'en laminaire. Dans ce deuxième cas, le décollement de la couche limite périphérique se fixe au bord droit d'un décrochement de paroi. En régime laminaire, on observe à la frontière de cette zone décollée finie la formation de tourbillons d'abord toriques, puis se désorganisant en aval et qui sont emportés par le courant. La vue en coupe du même phénomène permet de distinguer, comme en courant plan, le caractère mixte de la zone décollée, laminaire côté amont, turbulente côté aval, où l'on distingue la zone de recollement perturbée par le passage des tourbillons. En régime turbulent, la rapide diffusion des colorants n'empêche pas de constater que l'écoulement moyen s'organise comme dans le cas laminaire précédent. Mais les fluctuations et les échanges accrus assurent un brassage et une fermeture plus rapide de la zone décollée. Cette vue en coupe du même phénomène met en lumière l'écoulement moyen. L'importante réduction de la zone décollée sous l'effet de la turbulence et le développement de la couche limite turbulente en aval du recollement. Couche perturbée par le passage des grosses structures tourbillonnaires et mise à la frontière du décollement. L'écoulement et la couche limite le long d'une paroi plane deviennent localement tridimensionnels au voisinage d'un jet de section circulaire débouchant normalement à sa surface et s'incurvant ensuite sous l'effet du courant. Cette vue en plan précise l'allure des lignes de courant de la couche limite laminaire, littéralement aspirée par le jet turbulent et qui ne décolle qu'en aval de l'orifice d'éjection où l'on observe la formation de deux tourbillons symétriques stationnaires. Enfin, cette coupe transversale arrière confirme l'existence de ces tourbillons et révèle la structure tourbillonnaire du jet incurvé mis en lumière par des émissions colorées intermittentes. Devant un obstacle solide, comme ce cylindre droit fixé sur une paroi plane, la couche limite laminaire décolle
et cette zone décollée est le siège d'un ou de plusieurs tourbillons en fer à cheval dont les branches s'incurvent symétriquement vers l'aval de part et d'autre du cylindre. La ligne de décollement à la frontière du colorant pariétal amont présente la même incurvation. Le même phénomène est vu ici dans une coupe suivant le plan de symétrie dans laquelle les traceurs révèlent la faible épaisseur de la plage décollée à la base du cylindre, ainsi que la position et le sens des différents tourbillons stationnaires qui s'y développent. Cette vue de l'écoulement pariétal en régime laminaire précise l'étendue de la plage décollée devant le cylindre et la forme de la ligne de décollement issue d'un point de partage avancé. La même visualisation, effectuée en régime turbulent, révèle d'abord la répartition aléatoire et la diffusion rapide du colorant émis dans la couche limite sous la forme d'une nappe. Mais en réduisant son débit, le colorant devient de plus en plus pariétal et ne pénètre plus dans la zone décollée dont la forme se rapproche de celle observée en régime laminaire. La même expérience a été reprise dans le cas non symétrique d'une demi-maquette d'aile en flèche avec incidence. On observe alors autour de l'apex un décollement de la couche limite laminaire sur le panneau de garde le long duquel est fixée la voilure. Ce décollement se développe surtout côté intrado. Il en est de même en régime turbulent, comme le montre le colorant émis dans la couche limite et devenant progressivement pariétal. La suite de cette étude est consacrée aux couches limites tridimensionnelles observées sur les voilures elles-mêmes. Sur l'extrado de l'aile en flèche précédente placée à 5 degrés d'incidence, il se forme une couche limite laminaire cisaillée mais non décollée, caractérisée par le dérapage des lignes de courant en direction du bord d'attaque. Aux vitesses élevées, la transition se manifeste alors par la formation d'une série de tourbillons emportés par le courant, analogue à ceux observés sur un fuseau en rotation. Évolution sous l'effet d'une incidence décroissante. La ligne de partage qui sépare les couches limites laminaires d'intrado allant vers les bords d'attaque et de fuite rejoint le bord d'attaque lorsque l'incidence s'annule. En raison de la complexité croissante des phénomènes, la suite de cette étude ne concernera que le régime laminaire. Ceci est déjà vrai pour le décollement tourbillonnaire qui apparaît et se développe sur l'extrado lors d'une mise en incidence progressive de la même voilure. Sur ces demi-maquettes fixées à la paroi, la formation des différents tourbillons de voilure dont l'origine se situe au voisinage de l'apex peut être notablement influencée par les effets dus aux couches limites sur les panneaux de garde, surtout lorsque se produit leur décollement avec formation de tourbillons en fer à cheval. Ces phénomènes d'interaction n'existent pas sur une maquette entière, comme cette aile delta épaisse, dont l'incidence croît lentement et sur laquelle le décollement tourbillonnaire d'extrado se développe symétriquement. À incidence moyenne fixe, l'extrado de cette voilure est le siège d'un décollement arrière scindé en deux parties, séparées par un couloir médian sain. La ligne de décollement se présente comme la pseudo-enveloppe des lignes de courant pariétal, aussi bien interne qu'externe. Chaque plage comporte son point de partage avancé et son foyer, d'où s'élève un tourbillon trombe. Enfin, sur une aile delta mince de même flèche, le décollement se fixe au bord aigu du modèle et les tourbillons se rattachent à l'apex pointu. Les filets pariétaux précisent alors les zones balayées par les tourbillons, ainsi que le secteur médian sain qui les sépare aux faibles incidences. Le cas opposé est celui d'une ogive sans pointe ni arête, placée à incidence élevée. En devenant pariétal, les lignes de courant visualisées par le colorant font à nouveau apparaître la ligne de décollement qui constitue leur pseudo-enveloppe. Il s'agit là aussi de deux plages décollées symétriques avec point de partage avancé et foyer d'où s'élève un tourbillon trombe.
Même en régime permanent, les instabilités qui affectent l'écoulement aval peuvent finalement produire des effets instationnaires sur l'écoulement extérieur et les couches limites d'un modèle fixe. Il en est ainsi pour ce cylindre en courant plan, sur lequel on observe le déplacement périodique de la ligne d'arrêt amont et des lignes de décollement latérales sous l'effet des tourbillons alternés de Bénard-Karman, phénomène bien connu qui caractérise son sillage. Le même phénomène se produit aussi sur un modèle fixe avec une partie mobile, comme présentement le volet de courbure. Ces oscillations périodiques modulent la circulation autour du profil, ce qui se traduit par le déplacement alterné du point d'arrêt amont, dont la position moyenne est plus aval qu'en régime permanent. L'écoulement autour du volet lui-même explique cet effet d'hystérésis favorable observé dans le cas d'un décollement instationnaire. La position moyenne de la ligne de décollement sur le volet étant plus reculée que lors d'un essai effectué en régime permanent et pour un angle de braquage moyen du volet. Un dernier exemple en courant plan concerne un profil entièrement mobile animé d'oscillations en tangage. Dans le cas symétrique d'une incidence moyenne nulle, ce mouvement module l'angle d'attaque effectif au bord du profil sans provoquer de décollement lorsque la fréquence réduite des oscillations reste modérée. Les couches limites modulées confluent alors au bord de fuite où se produit une émission de tourbillons alternés plus intense que celle des tourbillons de Karman observés précédemment. Un mouvement d'oscillation harmonique autour d'une incidence moyenne non nulle fait apparaître un décollement instationnaire de la couche limite d'extrado avec formation de tourbillons qui sont entraînés par le courant et rejoignent les tourbillons se formant au bord de fuite. Le nombre des tourbillons émis augmente avec la fréquence réduite croissante du mouvement. Sur une aile delta avec incidence, un tel mouvement d'oscillation en tangage module l'intensité des tourbillons d'apex et agit sur leur position ainsi que sur l'étendue de la zone médiane saine. Un autre exemple tridimensionnel concerne la couche limite le long de la carène d'une turbomachine axiale. Le passage des aubes de la roue mobile fonctionnant au régime d'adaptation provoque des instabilités intrinsèques limitées au voisinage des pales et de leur sillage. Côté aval, le colorant révèle la déflexion du courant par la roue mobile. Au contraire, pour un régime hors adaptation, les filets pariétaux mettent en évidence le passage du décollement tournant qui se produit le long de la carène en amont de la roue mobile et qui se déplace à une vitesse inférieure à celle des aubes. Enfin, un dernier cas de régime instationnaire est celui d'un profil sans incidence partant du repos pour aboutir à la translation uniforme. Sur ce modèle mince, on note l'absence de tourbillon de démarrage. En effet, la mise en vitesse provoque la formation puis l'épaississement progressif des couches limites qui confluent au bord de fuite pour venir former le sillage. Qu'il s'agisse de courants plans ou d'écoulements tridimensionnels, que ce soit en instationnaire ou en régime permanent, les traceurs liquides ou gazeux utilisés dans ces essais à basse vitesse mettent en lumière de nombreux phénomènes de la mécanique des fluides et, précisément, ceux qui affectent les couches limites. Comme l'a prouvé cette longue suite d'exemples, la visualisation permet d'observer et finalement de mieux comprendre leur formation le long des parois, leur évolution en fonction des paramètres, leur transition du laminaire au turbulent et leur comportement sous l'effet d'un gradient de pression longitudinal. Utilisé conjointement avec des sondages ou des mesures plus quantitatives, mais qui ne donnent pas une vision concrète des phénomènes, ces procédés relativement simples peuvent apporter une contribution efficace à l'étude systématique des couches limites. Mais là ne s'arrête pas leur champ d'application.
même si cette présentation se termine ici, avec ces images de tourbillons alternés, émis par un profil oscillant et alimentés par les couches limites qui confluent au bord de fuite.